لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ زلاب. Bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à Distance. Donc dans cette quatrième partie de notre leçon triangle, rectangle et cercle, on va corriger les exercices de la page 107. Donc voici l'exercice 12, page 107. C est un cercle de centre O. Voilà le cercle C. Le cercle C de centre O. A et B, deux points non diamétralement opposés. C'est-à-dire AB n'est pas un diamètre de C. M, milieu de AB. Voilà, M, milieu de AB. La perpendiculaire en B à la droite AB recoupe C en C. La droite perpendiculaire à AB en B, voilà, elle est perpendiculaire à en B. À la droite AB, elle coupe le cercle C en point C. Regardez. Montrer que BC, regardez, BC égale au double de OM, deux fois OM. Voilà OM. Donc cette distance là, BC est égal à 2 fois OM. Donc l'idée ici c'est quoi? C'est de montrer que O, hein, c'est le milieu de AC. Si on arrive à montrer que O, le milieu de AC, alors c'est fini. Parce que dans le triangle ABC, on aura M milieu de AB, O milieu de AC. Donc la distance BC égale à 2 fois OM. Ça, on l'a vu dans la leçon du triangle est parallèle. Donc, comment on va montrer que O est milieu de AC? Regardez, on va dire que le C et le cercle circonscrit au triangle ABC. Hein? Donc c'est le cercle circonscrit au triangle ABC. Et ABC est un triangle et rectangle, c'est-à-dire un triangle rectangle en B. Donc quoi? Donc le centre du cercle circonscrit au triangle ABC et le milieu de AC mais nous le point O c'est bien le centre du cercle circonscrit. Donc on va dire que O est milieu de AC. Donc O c'est le milieu de AC. Maintenant qu'est-ce qu'on va dire? Dans le triangle ABC, qu'est-ce qu'on a? M milieu de AB et O, maintenant O milieu de AC, donc on déduit que BC égale à 2 fois OM, ou bien OM c'est la moitié de BC, donc BC égale à 2 fois OM. Tout simplement. On passe au suivant.
L'exercice 13. Regardez, on a deux cercles. Regardez. Le cercle qui est en rouge et celui-là dont le diamètre. Donc, celui qui est en rouge, il est de centre O, qu'on va appeler par exemple le cercle C. Et on a, par exemple, C'. Regardez ici, c'est un cercle de centre O et de diamètre. Donc, celui-là, c'est C. Et celui-là, c'est C'. Donc, on a le cercle, le grand cercle de diamètre AB. Et C' le cercle de diamètre OB. Donc on a deux cercles. Soit D un point de C distinct de A et B. Voilà un point D. Hein? De C qui est différent de A et B. Distinct, c'est-à-dire différent. La droite parallèle à AD passant par O coupe BD en E. La droite qui passe par O est parallèle à AD. Il coupe... Hein? Il coupe quoi? Regardez. Coupe BD en E. Donc regardez. BD. On va dire. Normalement, on doit avoir quelque chose comme ça. Coupe BD. Je m'excuse. Coupe BD en point E. Vous savez? Quelle est la nature du triangle BAD? BAD. Donc vous allez constater que le cercle C est un cercle et c'est le cercle circonscrit au triangle ABD. Et on a AB le diamètre de ce cercle. Donc ABD est rectangle en D. Donc on va dire C. Et le cercle circonscrit au triangle ABD et AB diamètre de C. Le diamètre de C. Donc, on va déduire que ABD est rectangle, un triangle rectangle en D. Hein? Donc, la nature du triangle, c'est un triangle rectangle. Voilà. Montrer que OE est perpendiculaire à BD. OE est perpendiculaire à BD. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? ABD est un triangle rectangle en D. Donc, alors, on peut déduire que BD est perpendiculaire à AD. Donc, BD, c'est-à-dire BD perpendiculaire à AD. Ça signifie la même chose. Quoi encore? On a OE est parallèle à AD. Et puisque AD est parallèle à OE, si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. On a AD parallèle à OE et AD perpendiculaire à B. Donc on peut déduire. Donc on va dire que BD est perpendiculaire à OE. Donc la droite BD est perpendiculaire à OE. On déduire que le point E appartient au cercle C'. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Donc on a BD donc est perpendiculaire à OE. Donc, pour montrer que E appartient au cercle C', qu'est-ce qu'on va montrer? Donc, puisque c'est un triangle rectangle, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, regardez, on a BD perpendiculaire à OE.
BD est perpendiculaire. BD est perpendiculaire à OE. Donc, on va dire que BOE, donc j'efface ici. Donc, je vais montrer que notre triangle maintenant on a BD perpendiculaire à E. Donc on va dire B, donc BEO est un triangle rectangle maintenant. BOE est un triangle rectangle en E. Donc ce point là, donc le, on va appeler ça par exemple I prime. Donc I prime, le milieu, on va dire le milieu de OP et le centre. Et le centre du cercle circonscrit. Donc, puisque E prime c'est le cercle du cercle circonscrit, donc et le cercle il doit passer par O et B. Donc notre cercle C' c'est bien le cercle qu'on cherche. Donc C' doit être bien le cercle circonscrit. D'où C' est le cercle circonscrit au triangle OEB, d'où E appartient à C', c'est-à-dire E est un point de C'. On passe au suivant. Regardez ici sur la figure suivante, MS est un diamètre du cercle C. MS, c'est le diamètre de ce cercle. OR est la bisectrice de l'angle AOS. OR, c'est la bisectrice de l'angle AOS. Montrez que les droites AM et AS sont perpendiculaires. AM et AS, regardez AS. Je vais utiliser les couleurs. Voici la côté, regardez, donc voilà, donc regardez, on a ici, qu'est-ce qu'on a, regardez, on a un angle droit. Pourquoi? Parce que on a, donc comment on va montrer ça? On va dire que C, je m'excuse, C est le cercle circonscrit au triangle AMS. Et quoi encore? Et MS, un diamètre, et MS, diamètre de C, un diamètre de C. Donc on va déduire que le triangle MAS est rectangle. Donc MAS est rectangle
en A. D'où AS est perpendiculaire à AM. Maintenant, on déduit que les droites AM et OR sont parallèles. Donc, pour conclure que AM et OR sont parallèles, n'oublions pas que OR c'est une bisectrice de AOS. On va dire d'abord que AOS est un triangle isocèle parce que on a OA est égal à OS. OA égale à OS. Donc, on a OA, on va dire AOC, AOS est isocèle en O. Vous voyez? Car OA égale à OS. Et on a quoi? Et OR, bisectrice de l'angle AOS. Donc, puisque OR est bisectrice de l'angle AOS, on peut dire aussi que, donc, OR est aussi une médiatrice. Donc, OR est une médiatrice du triangle AOS. Donc, c'est-à-dire médiatrice de AS, du côté AS, est une médiatrice de AOS, du triangle AOS. Donc, OR médiatrice. Donc, OR médiatrice de AS. D'où, ou bien alors, on peut dire alors OR est perpendiculaire à S. OR, regardez, OR est perpendiculaire à AS parce que c'est une médiatrice. Donc, regardez, on a OR est perpendiculaire à AS et quoi encore? Et AS perpendiculaire à AM. Donc, de 1, je peux noter ce résultat 1 et celui-là 2. On va dire 2, 1 et 2. On déduit. Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit quoi? Deux droites. Perpendiculaires à la même droite. Regardez. AS, AM perpendiculaire à AS, OR perpendiculaire à AS. Donc AS est parallèle à AM est parallèle à OR. AM parallèle à OR. AM est parallèle à OR. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la partie 5 de notre leçon triangle, rectangle et cercle, on va corriger les exercices de la page 108. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.